Certains disent que la terre est plate. Pff, que veux-tu que je réponde à ça? Si seulement ce monde pouvait s'analyser simplement, si suffisait d'un argument pour combler tous nos questionnements. Si c'était si facile qu'une seule famille décidait, tous les autres s'en prendraient au système et le décimeraient. Si suffisait d'iril pour cibler ceux qui dirigent, si avec un plaqué une théorie rigide. Si les attentats n'étaient que des scènes de films montées, les familles victimes n'auraient pas eu ce vide à combler. Mais hélas, tout est faux, tout est fable, et les faves de tous bords déforment les faits, les stats. Au-delà des mensonges dangereux, leurs projets, dans le fond, une porte en est aucun progrès. Doit-on tenter d'en convaincre certains, ou chercher à les brusquer? Pour l'instant, ils gagnent du terrain, mais comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les faire reculer? Comment les faire reculer? Ils sont nos ennemis, comment les combattre? Ils sont nos ennemis, nous allons les faire reculer. Dès que la théorie du complot, et les faves de tout bord déforment les faits, les stats. Dès que la théorie du complot, des gens qui immédiatement vous disent, comme par hasard. Dès que la théorie du complot, ils sont nos ennemis, nous. Dès que la théorie du complot, je vois des conspires partout. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moultes qui toutes pètent et fondent. L'audience vous laisse de doux faits conclut et les bas sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein, nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc faut ajouter dérouté de l'info à qui plaît le complot. Juif reptilien, illuminati, franc-maçon, hors notre genre reptilien, concocteur est un plan d'action pour faire venir les Syriens et toutes sortes de migrants masse sombrés seront temps nous remplacer, prendre d'assaut notre si grande nation. Ces gens ne viennent pas en avion, se planquent discrètement dans le camion, ne disposent pas d'argent de taf, non. Heureusement, la France y'a bon. Internet explique bien, via plein de tas de gens pas cons. Tout ça se décide bien en amont par des hommes puissants qui ont le bras long. C'est le branle-bas de combat qu'on se le dit. Ces gens savent donc prédisent que des hordes de musulmans de façon nous grands remplaceront. C'est donc le grand patron, le vice. Ils ont la pompe venir sûrement parce qu'on les y encourage vu que ça arrange Macron. Internet en parle donc, j'ai nous dit qu'ils nous en chasseront. Ça ne sera probablement pas donc, tout ça ne tourne vraiment pas rond. Personnellement, je crois qu'on cherche dans ces thèses en carton une explication pas compliquée au fait que nous en bavons. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moultes qui toutes pètent et fondent. L'audience vous laisse de doux faits conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein, nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc faut ajouter dérouté de l'info à qui plaît le complot. Écoute-les, ils nous servent le couplet du complot, c'est complet. Et toutes les foutaises remontent du fond de l'eau, ils se complaisent dans moultes qui toutes pètent et fondent. L'audience vous laisse de doux faits conclut que les débats sont clos. Écoute-les, tous les couplets en ont plein, nous font l'eau. Chaque nouvelle brèche ouverte, chaque foutaise plus complotique, toute presse et sous le couperet tout fait. Et donc faut ajouter dérouté de l'info à qui plaît le complot. Quelques familles juives de banquiers ont une grande visibilité au 19e siècle. C'est le cas des Rothschild. Certains textes, à gauche comme à droite à l'époque, mettent l'accent sur cela, alors que ce n'est qu'une très petite minorité. L'immense majorité des juifs, notamment en Europe centrale et en Russie, sont des gens extrêmement pauvres.